L'UTBM Innovation Crunch Time, c'est chaque année 1700 futurs ingénieurs qui se réunissent et mettent à profit leurs compétences pour apporter des solutions innovantes et relever les défis les plus fous. Ce que nous allons faire, ce que nous allons vivre, toutes et tous, est le plus grand exercice de ce type organisé dans l'Hexagone. Un bon ingénieur, on lui demande de tenir ses promesses. Un bon inventeur, on lui demande de les rompre. Rompre une promesse, c'est trouver une autre promesse meilleure encore. Donc la force de l'innovation, la force de l'invention, n'est pas d'atteindre un objectif qu'on s'est fixé, mais d'en trouver un nouveau qui est encore plus passionnant. Une problématique posée par plus de 150 industriels et entreprises qui ont adhéré avec enthousiasme à ce concept en proposant plus de 160 sujets d'innovation. Après une trentaine d'années dans l'entreprise, très franchement, c'est plutôt ce qu'ils vivent au travers du crunch time qui est à l'image de ce qu'ils vivront au quotidien plutôt que les cours académiques. C'est donc quelque part une compétence qu'ils y acquièrent qui est une forme de transition avec le monde du travail. Parce que le monde du travail, c'est vraiment ça, c'est des sujets pas forcément bien détourés, c'est des sujets à creuser, c'est des sujets qui exigent des compétences transversales. Organisée en équipe pluridisciplinaire, cette rencontre permet de s'enrichir mutuellement et accélère le décloisonnement. On devrait trouver ça partout, dans toutes les universités, parce que finalement, c'est un avant-goût du monde du travail. Finalement, dans le monde du travail, on aura à interagir avec des gens qui ont un background qui est complètement différent du nôtre. C'est un truc concret, on n'est plus dans les théories, on n'est plus dans la technique telle qu'on les voit dans les livres, mais vraiment, c'est de concrétiser nos idées. Pouvoir aussi avoir une expérience professionnelle, parce que c'est que des professionnels qui nous proposent des sujets, et en dehors de l'école, on ne peut pas savoir à quoi ressemble ce monde-là, et justement ça nous donne une première expérience de ça, travailler sur des vrais projets. Des projets réels qui consolident et donnent un coup d'accélérateur aux relations avec les entreprises. Ce que j'apprécie dans le crunch, c'est le contact avec les jeunes étudiants, c'est toujours rafraîchissant de parler avec des jeunes têtes, des jeunes cerveaux. C'est particulièrement intéressant parce que ça lève toutes les contraintes qui sont liées à la vie quotidienne. Ici, il n'y a aucune limite, aucun bridage quel qu'il soit, et donc une totale créativité. On a vraiment un système qui est gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'on vient ici aussi avec des objectifs de recrutement. Les personnes qui sont vraiment porteuses d'idées sont des personnes qu'on va continuer à suivre, soit à travers des stages, soit à travers des embauches sur nos différents sites.